J'aime pas trop aller dans ce genre de pièce en noir. Y a-t-il une lumière? Ah oui. Ça fait un drôle de bruit, mais... Ah d'accord, ça c'est fermé, ok. Je sais pas qui c'est qui a ouvert ça, mais à mon avis, je pense qu'on va pas tarder à le savoir. Une fois prothèse de jambes, comment ils ont pu réussir à forer la longueur? Ah. Apparemment, il s'est passé un léger problème ici. Apparemment, il n'y a pas d'eau. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau froide, j'ai remarqué. Je suis vraiment désolé, mais je suis un petit fouineur, alors on va fouiner un peu partout pour essayer à peu près de comprendre l'histoire du jeu. On va laisser cette porte ouverte. Par pure précaution. Yo Jutka, comment tu vas? Enfin la cam, ça fait plaisir. Ouais, j'ai mis la cam pour les jeux d'horreur, parce que c'est un jeu d'horreur que je suis en train de faire. Par contre, je comprends pas trop. Wow! Désolé, j'ai eu un petit coup de frayeur. Ah, la lumière. Je sais pas ce qu'a fait ce bruit. Alors comment tu vas, Jutka? Alors j'ai pris ce jeu pour voir s'il faisait si peur que ça. Bah y'a rien dedans. Ah si. Le petit Vinny est partenaire. Une infection de rat, appelez maintenant et au revoir les problèmes. Ouais, rapide, efficace et discret. C'est ouvert par pure précaution, je voudrais pas trop. Apparemment, c'est un obsédé des rats. Apparemment, il dit qu'il a des rats, mais. Ah, c'est ça qui s'est enclenché tout à l'heure quand je marchais dessus, je comprends mieux. J'ai eu peur de ça tout à l'heure. Je sais pas très fin. Ah, il y avait un truc ici. J'ai cru qu'il y avait quelque chose, mais il y a un moment où je vais te voir. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Apparemment, il faut que je trouve la clé. Je vais pas aller dans la cave en premier, on va monter. Pour l'instant, tout se passe bien. Le jeu, il est très très beau en tout cas. Graphiquement, il est magnifique. Attendez, peut-être que derrière il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Wow. Désolé. Par contre, c'est dommage que j'ai pas une lumière pour que vous voyez plus ma tête. J'ai peur que ça vous gâche un peu le plaisir de me voir avoir peur. Et j'ai pas de petite lumière, quoi. Ça pose problème, ça. J'espère que ça vous dérange pas, les amis. J'ai travaillé toute la nuit. Me réveille pas. On va pas y aller de suite, on va y aller à la porte là-bas qui est ouverte, il y a plusieurs endroits dans la... Wow. Attendez, j'ai eu un petit peu peur là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un petit suceau. Bon, apparemment, Jutka il est parti. Il sera pas resté longtemps, c'est dommage. Ah, il me faut absolument une lumière là. C'est super glauque. Il est vraiment pas beau son. Et merci Andrew. On va allumer toutes les lumières. Dans des conditions comme ça, je veux pas que ça reste.
Ah, ok. Je pense que cet homme avait un petit problème. La clé. Désolé, je vais me rattraper. Ce soir, ce sera juste toi et moi. Faisons quelque chose de spécial. Tu as promis. Ouais, s'ils me disent aller dans la cave tout de suite, ouais, c'est pas très rassurant. Par contre, je sais pas de qui parle là pour le moment. Mais apparemment, c'est soit sa femme ou soit lui. Délaisse l'autre. Parce que quand tu lis le message là, ça dit promis. Donc si ça met promis en dessous, c'est qu'apparemment il doit souvent délaisser sa femme. Ou bien sa femme le délaisse, j'en sais rien. Jusqu'à. Je teste Uncharted en multi moi. Ah ouais, tu testes Uncharted en multi. Ok mon pote. Alors, mon cher ami, laisse-moi te poser une simple question. As-tu complètement perdu la boule? Je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, vraiment. C'est pourquoi j'ai accepté de te laisser faire ces illustrations en souvenir du bon vieux temps. J'ai même fait en sorte de te donner une tâche triviale parce que je me disais que le petit chaperon rouge était quelque chose que tu pourrais dessiner les yeux fermés. J'étais loin d'imaginer que tu soumettrais ce carburant à cauchemar pour une histoire d'enfant. Aucune chance que je puisse l'utiliser et je regrette déjà d'avoir payé d'avance. Je t'en prie, secoue-toi, bon sang. Ton vieil ami, Liane Prixton, édition Comte Muret. Je joue pas aux zombies, moi, Jilka. Je suis pas très fan du zombie. D'ailleurs, je suis pas très fan de BO3 tout court. Aller au bureau. Bon, la pluie elle laisse un peu à désirer quand même sur les vitres, c'est un petit peu mal fait. Mais bon. True story. On peut pas l'ouvrir, de toute façon, c'est vrai. Je farfouille un peu partout, moi j'ai pas le temps. Est-ce que c'est judicieux que je fouille le haut d'abord ou que j'aille directement à la porte du tableau en bas? Pour ma part, je fouillerai le haut en premier. D'accord, un ballon qui vient de tomber. J'ai pas très confiance là. Ah, je déteste. S'il y a des enfants, je déteste, ça fait peur les enfants. Alors, ils avaient un enfant. Où est l'enfant? Apparemment, ils avaient une petite fille, apparemment. Le ballon vient de tomber au moment que je m'approchais de la chambre, donc il y a forcément quelque chose ici. Je sais pas. Oui, c'est bien une petite fille. Ça veut dire que tu me détestes. Pourquoi tu dis ça, Andrew? Ah oui, parce que t'as 13 ans. Non, mais toi, c'est pas pareil. Moi, quand je parle d'enfants, c'est d'enfants comme ça, cet âge-là, ceux qui font de la dinette, des trucs comme ça dans les jeux d'horreur, ça me fait vraiment peur. Je supporte pas. C'est comme dans les jeux zombies. Dès qu'il y a des gosses, j'ai horreur de ça. Je supporte pas du tout. Par contre, ce que je trouve spécial, c'est qu'il n'y a pas de lumière. J'adore
j'adore les boîtes à musique. Putain, mais toutes les musiques sont bien dans ce jeu. Si, si, j'aime bien, mais parce que ça me fait peur, mais j'aime bien avoir peur, c'est ça que je recherche. De toute façon, on verra bien si ce jeu il fait si peur que ça, et moi c'est pour ça que je l'ai pris, on m'a dit qu'il faisait peur. J'ai peur en me retournant de tomber sur quelque chose. Alors Annabelle, je l'ai vu, je l'ai trouvé nul à chien. Il m'a pas fait peur du tout. Il était bidon, mais franchement, bidon de chez bidon. Il m'a pas du tout fait peur. Le film Annabelle, c'était un navet sur place, quoi. Je veux dire... ouais, par contre, je ferme cette porte parce que j'ai pas confiance. J'ai peur d'ouvrir cette porte. C'est fermé à clé, ça me rassure. D'un côté. On va visiter l'autre pièce. Me dérange pas, je dors, qui disait. T'as entendu ce bruit ? Waouh, waouh! Oui, je l'ai vu, dit de silence avec la poupée. Hein. J'ai pas très confiance là. Ouais, oh, ouais, j'ai pas très confiance. Alors, désolé, je ne pouvais pas dormir, ma jambe a encore fait des siennes, alors autant bosser un peu, je t'aime. Ouais, voilà, qui s'appelle Billy, ouais, ils reçoivent une espèce de marionnette, je crois, en cadeau, et puis ouais, c'est, je l'ai trouvé, j'ai pas trouvé terrible non plus. Donc apparemment, c'est la femme, elle a dû avoir un problème avec sa jambe, peut-être un accident de voiture, je ne sais point. Elle a dû avoir un gros souci. Et elle a dû s'énerver aussi. Apparemment, la vitre est cassée. Incendie pendant l'inauguration du Galactique. Ah putain, ça sent pas bon ça. Un incendie ravageur au nouveau grand magasin fait des dizaines de victimes graves. La très anticipée inauguration du grand magasin Galactique a viré au cauchemar lorsque le câblage du bâtiment a pris feu. Bien que la majorité... Attends, plusieurs sont restés piégés à l'intérieur du bâtiment sans aucune chance d'échapper au brasier. Le nombre exact de victimes n'est pas encore déterminé, même si on estime qu'au moins une douzaine de personnes ont été sévèrement blessées. Le propriétaire du Galactique, Ronald Sheffield, s'est refusé à tout commentaire sur la question. Donc apparemment il y a eu un feu et je suppose ce qui a fait que sa femme a dû perdre l'usage de sa jambe. Par contre la vitre cassée, je vois pas pourquoi. Une simple bague. Merde. Ah, mon accent c'est je viens du sud. À Perpignan, je suis catalan, je viens du 66, si tu préfères. Le nouveau visage de la musique. Une nuit à l'opéra devient une nuit mémorable. N'est peut-être pas encore connue. Mais ce n'est qu'une question de temps. Cette nuit, l'incroyable et talentueuse instrumentiste a donné une super performance, ravisant ainsi même les plus grands sceptiques. Elle était juste incroyable. Je n'ai jamais vu une telle passion, une telle énergie et un tel talent depuis des années. Témoigne le fameux pianiste Daniel Richter. Et il n'était pas le seul à féliciter même Anthony Gill. Un des critiques les plus sévères de Mikuyansky, je sais pas, il y a trois petits points, a fini par voir la lumière.